Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Around the Verse. Comme à notre habitude, faisons un petit tour de la communauté. Cette semaine, Sean Tracy et Rick Kiern-Davis nous parlent d'une bataille sur la surface de Démare, à 42 vaisseaux. Avec ce genre d'événement, la communauté nous montre à quel point on peut repousser les limites du jeu toujours plus loin. Ce genre d'événement est très inspirant pour les développeurs. Ils auraient souhaité que les joueurs puissent créer ces rencontres plus tôt dans le jeu, malheureusement les performances ne le permettaient pas. Mais voir ce que les joueurs sont capables de faire avec les moyens d'aujourd'hui leur donne des tonnes d'idées. Avec l'arrivée du nouveau modèle de vol, il n'y a pas que les joueurs qui vont devoir s'entraîner. Les IA vont elles aussi devoir s'adapter. Les développeurs ont donc modifié leur comportement afin de s'adapter aux changements et offrir une meilleure expérience aux joueurs. Pour ce faire, il a fallu deux étapes. La première, modifier le code permettant d'aller d'un point A à un point B ou de décoller. Et la deuxième concerne l'équilibrage. Le nouveau modèle étant plus concentré sur l'inertie, il faut ajuster les mouvements en prenant en compte la nouvelle physique. Dorénavant, les vaisseaux se comporteront également différemment en fonction de leur taille. Les vaisseaux canonniers, équipés de tourelles par exemple, n'essaieront plus de tirer directement sur les autres vaisseaux, et au contraire orbiteront autour de leurs ennemis pour offrir des angles de tir à leurs tourelles. De temps à autre, ils changeront leur comportement et feront un assaut frontal où ils essaieront de vous tirer dessus et de vous lancer des missiles. Il faudra donc adapter votre style de combat en fonction de chaque cas de figure. Chaque vaisseau rencontré requiert des techniques différentes. Pour les vaisseaux canonniers, il vous faudra trouver une zone sûre, telle que la queue du vaisseau, bien qu'il puisse aussi y avoir des tourelles. Alors que contre un chasseur, il vous faudra un style de jeu beaucoup plus dynamique. Les chasseurs auront eux aussi une nouvelle façon de voler. Ils passeront d'abord par une phase d'attaque, puis une phase d'éloignement pour laisser une ouverture aux joueurs. Il ne faudra pas rater ces occasions, car elles seront de plus en plus rares au fur et à mesure que le combat durera dans le temps. Pour conclure, les vaisseaux tels que le Constellation seront beaucoup plus dangereux et difficiles à abattre. Ils demanderont de la stratégie, tandis que les chasseurs seront plus agiles et basés sur le dynamisme. Pour refléter tous ces changements sur le modèle de vol, l'équipe audio a entièrement retravaillé les sons, afin de mieux rendre le comportement du vaisseau et offrir plus de retours aux joueurs. L'ancien système, même s'il a fait son œuvre, pose aujourd'hui problème, car il n'utilise pas le DataForge et ne joue les sons que depuis les réacteurs du vaisseau. Le nouveau système est donc beaucoup plus précis et permet de placer les sons là où ils doivent être. Cela permet de faire beaucoup plus de retours aux joueurs sur ce qui se passe dans leur vaisseau. L'emplacement des sons permettra aussi de mieux appréhender les mouvements, et les joueurs utilisant un casque devraient voir une nette amélioration de l'immersion. Parmi les autres changements, vous pourrez désormais entendre les moteurs de manœuvre fonctionner tout autour de vous. Et la post-combustion aura désormais un bang initial reflétant mieux l'accélération massive et le poids du vaisseau. La vibration lors de la rentrée en atmosphère sera elle aussi différente. Elle ne sera plus automatique, mais sera calculée en fonction de la force appliquée en certains points de vibration, donnant un retour sonore aux joueurs. Ces points de vibration pourront aussi être affectés par des tirs, des explosions ou tout type d'impact. Le nouveau modèle est un véritable atout pour les développeurs, car il ne leur faut plus qu'une seule minute pour implémenter un son nécessaire à votre vaisseau. Grâce à ce temps gagné, ils peuvent désormais se concentrer sur les détails. 2019 sera l'année de l'animation. Non seulement de nombreuses nouvelles animations seront ajoutées en jeu, mais les anciennes seront aussi grandement améliorées afin d'atteindre un niveau de qualité AAA. L'exemple parfait pour ces améliorations est la prise de boîte, qui à ce jour fonctionne mais n'est pas parfaite. Il y a toutes sortes de glitches ou de collisions qui brisent l'immersion du joueur. Une équipe a donc été dédiée à l'amélioration de ces animations. Pour le saut d'obstacle, nous avions pu voir par le passé comment CIG retravaillait les animations pour que la transition et la course par-dessus un obstacle se fassent naturellement. Il travaille à ce jour à l'ajout de nouvelles animations permettant d'enjamber un obstacle en étant à proximité. Les mouvements seront donc différents en fonction de votre approche. Vous pourrez par exemple vous mettre à couvert derrière un obstacle, puis l'enjamber le moment venu. Les animations de vaisseau seront elles aussi améliorées, pour que plus de mouvements soient possibles à la fois, faisant ainsi gagner beaucoup de temps aux joueurs.
S'il y a une chose que j'ai appris avec CIG, c'est que même avec des choses aussi simples qu'une animation, ils sont capables de nous surprendre. Et que Star Citizen existe avant tout au travers de sa communauté. Si je vous dis tout cela, c'est parce que Steve Bender a travaillé avec des joueurs de Star Citizen pour implémenter des emotes, permettant de parler le langage des signes directement en jeu pour des personnes sourdes et muettes. Star Citizen franchit donc un cap supplémentaire dans l'immersion et dans le soutien aux personnes ayant un handicap. Vous pouvez voir ici à quoi ressemble la gestuelle, tandis que les animations faciales seront ajoutées plus tard. Demain sera le dernier jour pour participer au concours de mise en scène du Cyclone. Si vous avez aimé cette traduction, vous pouvez nous soutenir gratuitement sur Utip en regardant juste quelques publicités, ou nous soutenir financièrement sur Tipeee. Vous pouvez aussi nous aider en partageant cette vidéo autour de vous pour que nous puissions gagner en visibilité. Et si vous voulez plus d'infos sur le jeu et partager avec la communauté, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord Roxy La Rotule, tous les liens sont dans la description. En attendant, moi je vous fais des bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt. Around the Verse.